Merci PM pour l'opportunité ça pour ben nous l'autre fois encore pour nous informer pays le monde entier sous évolution enquête qui diligenté dans cas assassinat président nous. Fondine gain deux dans cas d'investigation ça gain deux niveaux d'enquête qui commencé. La première enquête c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables sécurité, président, nous relais les responsables, inspection générale prend des mesures conservatoires et n'a continué à chercher information pour garder le degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qui a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons fait vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie de commando ça qui a attaqué résidence président. De 26, nous. De vendredi à jeudi, il y a un qui est récupéré avec appui population en Colombien et bon l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà. Que nous avons présenté vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous avons arrêté récemment. Monsieur Sahar, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a été mené nous. Kaye individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable question sécurité pour le recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance à eux que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mouns à eux qui tapent dans un premier temps assurer sécurité business li, tête pali en tant que président de la République. Mission qui était au départ, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité individu Emmanuel Sanon. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information Sayo, nous recueillons une enquête entrevue que nous avons avec bandit colombien Sayo en présence de mon interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission vient de changer. Ils ont présenté à Yon dans la salle un mandat pour procéder à l'arrestation du président de la République. Là. Mandat ça très connu, la psychologie, nous tout connaît. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent rentrer, je une première équipe là. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité
une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandit ça, le fin perpétré crime ça, premier monde que yon na sa yon relé, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaissons comme nos bras n'a venu au fur et à mesure avec Elimayo comme auteur intellectuel de l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça ne joue de la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit DEA. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. N'a profité pour nous dire tout. Gagner plus d'informations que n'a collecté à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constituée par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous pour permettre nous retracer éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui était en communication avec la Colombie et source de financement, qui est-ce qui paye eux, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme que nous parlons, nous, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier pour nous dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous auteur intellectuel parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrain. Il y a 5 là-dedans qui sont en cavale. N'a pas dit population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher yo, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans de yo, n'a pas cherché yo avec collaboration de toute population et partenaires étrangers capteurs avec nous sur le dossier ça. Merci.